mon jardin, avec le beau temps que nous avons, il faut en profiter. Aujourd'hui, c'est une recette pour vos enfants ou vos petits-enfants, pour les mamies qui regardent mes recettes. Je vais partager avec vous les aiguillettes de poulet panées façon nuggets. Ça n'a rien à voir avec les nuggets industriels que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est excellent et c'est rien à faire. Et en plus, ça plaît beaucoup aux petits. C'est un plat économique, ça a tous les avantages. Alors pour cela, il vous faut des aiguillettes de poulet. Alors moi, je prends vraiment les aiguillettes, pas le filet de poulet. Autrement, si vous prenez le filet, c'est un peu plus épais. Et il faut que vous le recoupiez. Les aiguillettes de poulet, c'est parfait pour ça. Il vous faut un œuf. Deux, si vous avez une grosse famille, bien sûr, c'est toujours après à... Donc, vous battez votre œuf. Il faut toujours adapter les proportions, bien sûr, au nombre de convives. Et ça, c'est le béaba. Donc, vous battez votre œuf pour pouvoir tremper après vos aiguillettes dedans. Là, et de la chapelure. Alors, la chapelure, moi, je la fais avec du pain rassis. Dans le thermomix, hop, je mets mes tranches de pain rassis, je mixe à 9 ou 10, et voilà, j'ai de la chapelure maison qui est très bonne. Donc, pas plus compliqué, une poêle qui chauffe sur votre plaque, et les aiguillettes, hop, vous les trempez dans votre battu. Je vais mettre ma chapelure là et vous le roulez dans la chapelure et ainsi de suite pour toutes les aiguillettes que vous voulez faire cuire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous verrez, ça se mange très bien, surtout en cette saison-là, en été. Même pour faire des salades César, et vous pouvez vous en servir, c'est très bon. Et vos aiguillettes, c'est moelleux à l'intérieur et croustillant par le fait que vous les panez. Voilà. Pendant ce temps, ma poêle, avec mon huile, j'ai pris de l'huile de tournesol, là, c'est de l'huile neutre, et je ne prends pas de l'huile d'olive là, pour le faire cuire. Vous pouvez, mais bon, il y a des fois que dans la chapelure, j'y mets des herbes de Provence hachées. C'est bon aussi, mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui trouvent que ça dénature le goût du poulet. Alors voilà, là j'ai fini. J'enlève la chapelure qui recouvre mes doigts. Voilà. Et hop, vous les mettez. Alors là, je vais monter la température de mon huile. Voilà, mon huile est en train de faire son œuvre. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes quand mes aiguillettes sont dorées.
Alors donc, vous voyez, les aiguillettes en doré de tous les côtés, et bien sûr je les ai retournées en cours de cuisson. Et voilà, vous n'avez plus qu'à les sortir. Normalement, ça n'a pas absorbé de trop d'huile. C'est pas la peine de les mettre sur du papier sopalin. Ça, voyez, si c'est. Et au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. C'est excellent. Je ne veux pas dire que les autres du commerce ne sont pas bonnes, mais ça n'a rien à voir. Alors là, voilà. Vous pouvez les servir comme ça. Ou alors, si c'est des adultes, parce que les petits, le citron, c'est peut-être pas ce qu'ils préfèrent. Si c'est des adultes, vous pouvez le servir avec quelques quartiers de citron. C'est très bon avec. Et voilà. Alors, je vous remercie encore pour vos commentaires et votre fidélité. Et pensez à vous abonner, je vous le dis chaque fois, ceux qui ne le sont pas. Et donc, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une future recette dans quelques jours. Merci!